salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Très bien. Le temps m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Déjà, ça commence. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Et oui, on pense encore à lui, et assez souvent d'ailleurs, on entend toujours ses chansons. C'est Joe Dassin à qui nous consacrons ce spécial Shabada. Le ton est donné, Jill Manson, Dave et Julien Dassin qui ont commencé en chanson cette émission, accompagnés de David Lefebvre à la basse, Aurélien Noël à l'accordéon, François Delphin à la guitare, Franck Delassue au piano et Yannick Hunier à la batterie. Soyez les bienvenus dans cette émission, exactement 30 ans après la disparition de Joe Dassin. Il est encore dans toutes les mémoires. Il nous a laissé des dizaines de tubes de Champs-Élysées à l'Amérique. Toutes les générations chantent encore aujourd'hui Joe Dassin. Et ce sont ses proches donc, qui sont réunis sur ce plateau. Julien, qui est le fils de Joe Dassin, bonjour. Merci bonjour. Beaucoup d'être avec nous. Merci. Et merci pour cette ouverture en chanson. Alors, je ne sais pas si on l'a entendu, Dave. Qu'est-ce que oui. tu disais? Jean, c'est la mère. Jean, qui est donc la mère. Non, je suis son ange gardien. Qui est l'ange voilà. gardien. Jean Manson et Dave, qui ont été de grands amis de Joe Dassin, qui l'ont bien connu. Et puis Christophe Baratier, le réalisateur des choristes et de Faubourg 36, viendra nous rejoindre. Il travaille en ce moment même à la mise en scène d'un spectacle qui sera sans doute l'événement de l'année 2010. C'est une comédie musicale sur Joe Dassin. Il viendra nous en parler en exclusivité dans Shabada. Et bien sûr, Jacques Pessis, qui connaît tout sur toute l'histoire des chansons françaises. Julien, ton père est parti il y a déjà 30 ans. Tu avais quel âge ? J'avais 5 mois quand mon père est décédé. C'est-à-dire que tu n'as pas encore 30 ans aujourd'hui ? Je n'ai pas encore 30 ans aujourd'hui. Ce que tu sais sur lui, comment tu l'as appris ? En regardant la télé, en écoutant des témoignages d'amis ? Écoute, tout ce que je peux savoir sur mon papa, je le sais au travers de ma famille, au travers de Jules, son père qui m'en a beaucoup parlé, de Jean, de Dave, de tous ses amis, de mes oncles et de mes tantes, enfin vraiment la famille. Et l'artiste, je le connais aussi bien que le public. Hein. Que nous, par les oui. archives, tout à fait. Par les chansons, que tu connais quand même très bien. Un petit peu, oui. Des images de lui, tu nous en as apporté, des images personnelles de Joe Dassin, papa, qu'on va voir là en ce moment. Jean, c'était un papa poule, Joe Dassin, il était fou de joie d'avoir... Il était tellement heureux d'avoir ses deux fils parce qu'il avait attendu si longtemps. Et puis nous, on était tous très heureux aussi pour lui parce qu'il est pouponné, c'était sa joie de vivre. Et je crois que vous pouvez voir dans les images et ce qu'il reste de toute sa mémoire, voilà, vous les voyez en chair et os, et je pense que il garde en lui ce grand souvenir de son père qui a donné tant aux Français et tant pour la musique, et il peut être très 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 fier. Je comprends. Et le petit garçon qu'on voit qui fête son premier anniversaire et qui souffle sa bougie, c'est Jonathan, donc ton frère, hein, qui l'a un petit peu plus connu que toi. Il avait 18 mois, je crois, quand, c'est ça, quand votre père. 18 mois. Alors, c'était un grand artiste. Il était docteur en ethnologie. Il parlait 8 langues. Vous allez nous parler de lui tout au long de cette émission, puisque vous l'avez bien connu. Mais d'abord, nous allons lui laisser la parole, puisque américain en France, français en Amérique, il va nous dire lui-même quelles étaient ses origines. Quand mon grand-père était un tout jeune homme, il est parti pour les États-Unis. Il a quitté l'Europe, il a quitté son village, sa famille, ses amis. Comme ça, parce qu'au début du siècle, on disait que l'Amérique, c'était la fortune, qu'il y avait de l'or dans les rues. Mon grand-père est parti coiffeur, il est resté coiffeur, il est mort coiffeur. Mais le rêve est là. Et c'est le rêve qu'on a essayé de trouver dans cette chanson qui s'appelle l'Amérique. Mais l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique,
les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau vont chanter 100 fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Toujours superbe avec son costume blanc. Jean, vous aviez ça en commun d'être américain. Est-ce que vous vous êtes rencontrés en Amérique? Non, nous nous sommes rencontrés chez les Gilbert et Mariti Carpentier à la télévision. J'ai vu des posters quand je suis arrivée à Paris de monsieur qui, Joe Dassin, je dis, who's that? Qui c'est ça? Johnny Holiday, who's that? And Dave, who's that? On était ensemble pour faire les émissions. Fallait faire les choses. Et Joe, bien évidemment, qui était un grand professionnel. Il aimait surtout la comédie musicale. Il a vu deux personnages... avec ouais, Carlos. Il faut quand même dire que Joe aimait mettre en scène. Ouais. Joe aimait préférer de loin entre Jean et moi, il préférait de loin Jean et je le comprends. Moi-même, j'avoue que si on me mettait un mitraillette dans le dos entre Jean et Joe, j'aurais préféré Jean aussi. Hein, Je dis bien avec une mitraillette dans le dos. Lila à une époque. Hein. Alors, hommage au séducteur qui était Joe Dassin, peut-être, avec cette chanson que tu as choisie, Dave, c'est La fleur aux dents. Ah oui, oui, c'est un bon souvenir parce qu'on a fait donc pas mal de numéros 1 ensemble et j'ai chanté ça avec lui. Je me souviens bien, on avait fait un truc où il chantait mes chansons et moi j'ai chanté les siennes, quoi. Donc c'est un bon souvenir. Et qu'est-ce qu'il avait chanté lui? De moi, je ne sais plus, genre... Du côté de chez soi. Est-ce par hasard, je crois. Est-ce par hasard, j'ai fait tellement de succès que je... Mais en plus, c'est vrai, je suis là pour lui dire... Pour le dire. Allez, on y va. Musique. J'ai dépensé ma jeunesse comme une poignée de monnaie. J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. Les fleurs aux dents, c'était tout ce que j'avais. Mais je savais bien que toutes les femmes du monde m'attendaient. Il y a des filles dont on rêve et celles-là avec qui on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent de remords. Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. J'ai connu des nids de camp, bien plus doux que l'oreiller. Des festins de roi sur les zinc d'un buffet de gare. J'ai connu bien des gens, je les ai tous bien aimés. Mais dans leur visage au fond je n'ai rien fait que te chercher. Il y a des filles dont on rêve et celles-là avec qui on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent de remords. Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a les femmes qu'on attendait. C'est le charme de Joe Dassin, selon vous, Jean? Je crois qu'il est grand, il était beau, il avait des beaux, beaux yeux, bleus. Et puis il était surtout très très gentil, et qu'il aimait bien rigoler, il aimait... pourquoi il avait... Faut il dire était que pas beau, je me permets il était pas grand, beau et jeune. Un truc dont les gens ne se rendent pas compte, mais c'était probablement... C'était le seul chanteur qui n'était pas ténor. Les chanteurs ont tous, généralement, des voix... aigu qu'on appelle le ténor. Et Joe était un basse. Et je pense que les femmes, ils ressentent ça dans le bas-ventre, sans vouloir être porno à cette heure-ci. Et la basse, ça, hein, ça te fait quelque chose. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Alors, on a retrouvé une version assez inattendue de La fleur aux dents. Ce sont deux playboys de la chanson française qui ont dans le cœur le soleil qu'ils ont aussi dehors. J'ai dépensé ma jeunesse comme une poignée de monnaie. J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. La fleur aux dents, c'était tout ce que j'avais. Mais je savais bien que toutes les femmes du monde m'attendaient. Il y a des filles dont on rêve et celles avec qui l'on dort. Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour, il y a la femme qu'on attendait. J'ai connu des lits de camp, des plus doux qu'un oreiller, et des festins de roi sur le zinc d'un buffet de gare. J'ai connu bien des gens, je les ai tous bien aimés.
mais dans leur visage au fond je n'ai rien fait que te chercher. Il y a les filles dont on rêve et celles dont avec qui l'on dort. Il y a les filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a les filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour il y a la femme qu'on attendait. Il y a les filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Un jour, il y a la femme qu'on attendait. Dave, est-ce que... Est-ce que je l'ai trouvée? Non, j'attends toujours. Toujours pas trouvé. J'attends toujours. Est-ce qu'il a eu beaucoup de femmes dans sa vie, Joe Dessin? Il y a prescription maintenant, on peut parler. Pas, hein, Julien. Pas devant son fils. Il en a entendu d'autres. Il habitait du côté d'un terrain de golf. Il habitait du côté d'un terrain de golf. Il y avait plein de trous, mais je ne sais pas. OK. 30 ans, 40 ans après, Jane, il y a... prescription. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit truc entre vous? Non, pas du tout. Comment un petit truc? Non, pas, ni pas avec Julio Iglesias, sauf le baiser. Pas petit. Et même si on avait, je ne l'aurais pas dit. Enfin, non, vous savez, moi, j'étais... J'étais loyale aussi. Ah, ah d'après Dave. Loyale, voilà. Ah, oui. Loyale, mais pas fidèle. C'est juste une fleur poussée. Enfin. Juste un fleur poussée. Non, on s'aimait beaucoup parce qu'on était tous les deux américains. Et, c'est pas une raison. Et puis moi, j'étais mariée, lui aussi. Et donc, we didn't fool around. We just, nous, on aimait beaucoup chanter ensemble. Vous savez, même si vous parlez en anglais, il comprend, hein, Julien, à son âge. Oui, c'est, je sais. On disait... Joe Dassin était très fidèle en amitié. Est-ce que vous vous souvenez d'un tournage de la chanson La Bande à Jojo, où vous êtes tous les deux dans une voiture avec lui, une voiture ancienne? Ouais, je me souviens absolument. Ouais. Ouais, tout à fait. On était quatre dans la voiture. Vous étiez plus. Quatre, il y avait France Gall. France Gall, exactement. Gall. J'étais à côté de France Gall. Carlos, voilà. On Dave, va moi. Regarder ces images. On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Ce sont vraiment des images qui font partie de nos vies. D'ailleurs, je voyais dans le public, tout le monde avait un immense sourire en regardant ces images. Ce sont des bons souvenirs de tournage? Non seulement on était bien, c'est vrai, parce qu'on avait la possibilité de s'exprimer à la télévision. Aujourd'hui, c'est là, aujourd'hui. Et puis, parce que c'était le show, le spectacle, et ce qui manque un petit peu, à mon avis, dans la télévision aujourd'hui, mais enfin, on ne peut pas regretter. Si vous voulez aller mettre un petit costume de marin, moi, oui, je suis d'accord. Oui, pourquoi pas. Mais tout était... Non, mais enfin... On essaye aussi de temps en temps quand même de recréer un peu des numéros. Alors c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de convaincre des artistes de mettre des costumes. On avait réussi à le faire avec une autre bande, celle de Laurent Ruquier. Vous savez qu'il est comme Joe Dassin, très famille, très fidèle en amitié. Il vient d'ailleurs de fêter les 10 ans de son émission de radio On va se gêner avec sa fine équipe. Ils avaient chanté les Dalton et je peux vous dire que Steve est en bagnard, ça vaut le coup d'œil. Écoutez, bonnes gens, la cruelle et douloureuse histoire des frères Dalton, qui furent l'incarnation du mal, et que ceux-ci servent d'exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin. Tout petit à l'école. À la place de crayons, ils avaient des limes. En guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas si leur tout premier crime fut d'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tagada, tagada, il n'y a plus personne. Ils devinrent des hommes. Les Dalton par la banque à Ruquier. Dave, est-ce que c'était des bons moments? Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de ces tournages avec les Carpentiers? C'est peut-être amusant pour nos téléspectateurs d'expliquer qu'on on enregistrait les chansons en studio avant. C'est ce que je viens de voir aussi. Ouais. Et puis donc, après, on faisait ce que le public pense s'appelle un playback. Et c'est vrai que déjà en studio, on se marrait. Jean, L'été indien, c'est une chanson que vous aimez particulièrement dans le répertoire de Dassin? Je trouve que déjà le texte est merveilleux, la mélodie est fantastique et c'est pour ça qu'elle a très bien marché. Je l'ai repris à une époque dans les années 80 dans mes concerts et j'ai envie de l'enregistrer un jour, peut-être sur un disque. On verra. Faisons-le là maintenant, peut-être un live de Shabada. All right, ok, allez. Allons-y. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureuse que
ce matin-là. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne, un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Et là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ma robe longue, je ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aime là encore, jusque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Ça lui va bien. Ah oui, elle est un peu baryton. Julien, toutes ces chansons, est-ce qu'il t'arrive de les écouter encore aujourd'hui ou... Continuellement, je les écoute tout le temps. Moi, c'est... Alors, je ne sais pas, on va dire oui, parce que c'est son papa, c'est facile. Non, j'aime vraiment beaucoup ce... ces chansons, ces musiques. Ouais. Est-ce que ta maman te parlait de lui aussi? Ma maman me parlait énormément, mais c'est avec Jonathan, mon frère, on faisait en sorte de pas trop en parler quand même, parce que c'est quelque chose qui la rendait très nostalgique et qui la faisait pleurer, et on n'avait pas envie de ça. Joe Dassin adorait le golf, il s'était fait construire une maison qui était un peu le truc de sa vie près du golf de Feucherolles, une maison dans laquelle vous avez grandi sans lui, du coup. Dans cette maison, il y avait un studio d'enregistrement. Est-ce que cette maison, elle était très habitée encore par l'âme de ton père? Complètement, déjà cette maison, il y avait tout était lui. Ses disques d'or, ses meubles, ses instruments de musique, le studio avec Jonathan, je me souviens, on avait peur d'y aller. Parce que c'était vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est chargé de quelque chose. Et quand... Donc comment tu faisais dans le couloir? Tu contournais pour ne pas passer devant le studio? Non, il y avait un long couloir et la porte. Et à chaque fois, avec Jonathan, on passait en courant pour ne pas passer devant ce couloir. Mais là, c'était quand on était tout petit. Après, quand on a commencé à grandir, on s'est intéressé à cette pièce de la maison, et là on a découvert des trucs juste magnifiques pour découvrir son papa et juste pour des enfants. Ouais. Est-ce que comme Claude François, tu pourrais envisager de vendre une partie du catalogue? Absolument rien. Je réponds tout de suite à cette question. Absolument rien. Rien. Alors, Joe Dassin a fait des études d'ethnologie aux États-Unis, je vous le disais tout à l'heure, et pour payer ses études, il travaillait dans un bar. Et un jour, il s'est rendu compte que plutôt que de faire la plonge, il pouvait aussi chanter avec sa guitare pour les clients et que souvent, ça lui ramenait un peu plus d'argent. Donc, il chantait du folklore français, disait-il. Il faisait croire aux Américains que c'était du folklore français. Il faisait croire que c'était du folklore français. C'était Georges Brassens, qu'il adorait plus que tout. D'ailleurs, il y a eu un dîner un soir entre Brassens et Joe. C'était un immense souvenir de Joe. Et un jour, Brassens est à l'hôpital, soigné pour l'un de ses calculs rénaux. Et ses amis lui disent « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Et il répond « Je voudrais que tu m'apportes le disque des Dalton de Joe Dassin. » C'est dire l'affection qu'il lui portait. Et lors du premier Olympia de papa, Brassens lui a écrit un petit mot. Pour lui, et ce petit mot, il l'avait tout le temps dans sa poche, en fait. Après, il le gardait comme un porte-bonheur. Et ce petit mot, il est là. Donc, c'est mon cher ami. Je me réjouis de voir que le public t'a complètement adopté. Tu mérites ton succès qui va aller en augmentant de jour en jour. J'avais pensé à toi le jour de la première, mais je n'ai pas trouvé le temps de te faire un petit mot. Dieu merci, tu n'avais pas besoin de ça. Bravo, haut les cœurs et toutes mes amitiés. Brassens. Alors, Jean, vous étiez venu en 2005 dans une émission sur Joe Dassin, chanter avec Carlos. Vous étiez tous les deux très émus d'abord de vous retrouver et puis de chanter d'une certaine manière pour Joe Dassin. C'était la chanson Salut. Je vous propose de revoir ces images qui sont très émouvantes. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué, et je me sens fatigué.
fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très loin, loin de la maison. J'ai pensé à toi. Baba, 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 baba. Julien, je te sentais très ému en regardant ces images. Carlos, ça fait partie de ceux qui ont été un peu ta famille. C'était celui que je connaissais le mieux, ouais. Parce que Carlos était un Parisien, donc on se croisait régulièrement. Et ouais, ça fait tout bizarre quand même. Comme quoi, les fils peuvent être aussi amis avec les potes. Ouais, ouais, c'était un vrai parrain pour toi, hein, d'une certaine manière. Carlos, il était vraiment très très proche. Ouais. Là, c'était plus l'homme déconneur. Parce que l'air de rien, ça déconnait sévère quand même. C'était un sacré déconneur. Et il faisait tout et n'importe quoi dans les émissions de télé. Franchement, c'était quand même vraiment très sympa. Mon amour et ton amour sont nés le même jour. Deux regards très courts, mais qui nous charment pour toujours. Mon amour et ton amour se disent tour à tour. Je t'aime bien, tu m'aimes bien, le reste n'est plus rien. Bisous. Sur la main, style ancien, noble et tout, avec bisous, juste après, de plus près, sur la joue, avec bisous. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait mal, ça veut dire une expression japonaise qui veut dire que si les bonnes qualités. Oh, jamais. Alors Dave, en prêtre, ben ça c'est incroyable, parce que c'est vrai que le cerveau est un peu comme le disque dur d'un ordinateur, quoi. Il y a des trucs qu'on a achetés depuis longtemps, et ça, ce qu'on vient d'écouter, c'est une chanson d'une comédie musicale qui s'appelle Godspell, ouais. Et la chanson Pitié pour nous dans Godspell était chantée par Daniel Auteuil, voilà, qu'on lui rend hommage parce qu'elle est totalement disparue, ce garçon. Il faut quand même qu'on parle un peu de lui de temps en temps, parce que Daniel Auteuil, si a commencé entend, comme bon courage pour ta carrière. Chanteur dans des comédies musicales d'ailleurs. Ils sont nombreux les artistes qui ont aimé chanter Dassin, d'ailleurs on va le voir tout à l'heure avec Alexandra Baldé qui viendra nous rejoindre pour sa chronique sur les nouveautés, l'actualité, vous allez le voir. Trois albums, pas moins que ça, qui sortent là, en ce moment, avec des reprises de chansons de Dassin. Voici un petit aperçu non exhaustif des artistes qui ont chanté Dassin. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes regrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Nous as-tu qui quelquefois se passe un peu trop bien. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois.
fois se passe un peu trop bien. N'a pas changé le monde, il a trop tourné sans nous. Il pleuvra toujours sur Londres, ça va rien changer du tout. Comme tube, hein. C'est un magnifique roman que cette vie de Joe Dassin et ça fera sûrement une très belle comédie musicale. Pour en parler, je vous propose tout de suite d'accueillir le réalisateur des Choristes qui sera aussi le metteur en scène de cette comédie musicale, c'est Christophe Maratier. Voilà, Christophe Baratier, qu'on accueille encore avec la musique des Choristes, mais je pense que l'année prochaine, on vous accueillera avec une chanson de Joe Dassin. Alors, j'espère, oui. Et est-ce que ce spectacle va raconter la vie de Joe Dassin ? Bien sûr, oui, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on doit savoir, parce que c'est vrai que c'était quelqu'un, enfin, votre père Julien était quelqu'un de pudique, enfin, dans sa vie, c'était pas quelqu'un qui étalait comme tout ça, c'était très, très pudique. Oui, c'est Julien, ça. D'ailleurs. On n'est pas sur des personnages comme Piaf ou comme Gainsbourg, ouais. Où tout le monde savait Alors, tout. Justement, voilà. Piaf, bon, Gainsbourg, on pense aussi à Dalida, c'est-à-dire que quand il y a des films sur des grandes stars de la chanson, ce sont souvent des stars qui ont eu des vies absolument terribles, avec beaucoup de tentatives de suicide, la drogue, l'alcool, etc. Est-ce que Joe Dassin est un personnage qui peut apporter... Non, parce qu'il ne mettait pas en scène ce genre de choses, sa vie était vraiment la sienne, donc je crois que si on veut être fidèle à Joe Dassin, il faut respecter aussi sa volonté de pudeur. C'est vrai que Gainsbourg s'est jamais caché de boire, bon, on savait bien, et en même temps, Joe, c'était pas tout à fait ça. En revanche, je crois qu'il y a une chose qui est d'accord, que je découvre, c'est en parlant justement d'ailleurs avec ses sœurs, avec Ricky et Julie, donc les tantes de Julien, il y avait dès le départ quand même, il y avait toujours une certaine fragilité. Une fracture. Une sensibilité d'ailleurs qu'on appelait peut-être mélancolie pour reprendre un peu ses chansons. Alors, mais il y avait cette chanson justement, Si tu t'appelles mélancolie, c'est une chanson qui l'a fait sortir d'une période un peu difficile de sa vie, non Julien, d'après ce que tu sais, ce que Claude Lemel t'a raconté, il a eu un petit passage à vide avec un moment où ses chansons marchaient un peu moins bien. Et c'est avec cette chanson qu'il se fait aimer de nouveau. Ben oui, ouais. Comme quoi, en racontant sa nostalgie et son petit... sa souffrance aussi. Sa souffrance, sa petite souffrance, ça marche. Ça plaît aux gens. Ça touche les gens parce que c'est sincère, sans doute. Et c'est cette chanson que tu as choisi aussi de chanter aujourd'hui dans Shabada, Si tu t'appelles Mélancolie. Seul devant ta glace, tu te vois triste sans savoir pourquoi. Et tu ferais n'importe quoi pour ne pas être à ta place. Si tu t'appelles mélancolie, si l'amour n'est plus qu'une habitude, ne me raconte pas ta vie, je la connais, ta solitude. Si tu t'appelles mélancolie, en effet, pour l'oublier ensemble, les chiens perdus, les incompris, on les connaît, on leur ressent.
On l'entendra, cette chanson, dans votre spectacle musical sur Joe Dassin. Un incontournable. Les incontournables seront là. Mais justement, avec Raphaël. Combien de chansons, pardon? En tout, 40 à peu près. Pas toutes intégrales. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez un matériau extraordinaire, non? Parce que vous avez toutes les bandes, avec que la voix de... On a toutes les 24 pistes, on peut tout refaire, etc. Mais en même temps, je voudrais vraiment que le public non plus soit pas désarçonné. C'est le surprendre, mais avec ce qu'il attend. Je veux dire une chose aussi, c'est que je me suis rendu compte que son premier disque, 65, premier grand succès, 68, 68 à 80, c'est 12 ans. Je trouve d'avoir fait autant de belles chansons en 12 ans, c'est absolument remarquable. C'est vraiment incroyable. Alors Joe Dassin, il avait aussi un vrai talent, il était capable de repérer les talents chez les autres. Et par exemple, il y a une petite équipe de garçons, là, de frères, qu'on n'aurait pas connu peut-être en France sans lui. Oui, c'est un numéro 1 du 2 juillet 1977, je ne sais pas si Dave et Gene étaient dans l'émission. Il y avait 5 frères venus des États-Unis, les Jackson 5, et c'est Michael Jackson qui a chanté pour la première fois à la télévision française grâce à Joe Dassin, c'était Keep On Mind, je crois, c'est ça? On y était, dit Jim. Vous en souvenez, Dave? Évidemment, oui, absolument. Ça, vous ça... avez vu arriver Michael Jackson comme ça? Oui, il m'a regardé, mais j'étais trop vieux. Il avait un vrai talent de producteur. Il a aussi repéré Bob Dylan au début. Et puis, il a aussi repéré Bobby Lapointe. Bobby Lapointe. Enfin, il n'est pas repéré, mais il l'a aidé à produire ses derniers disques. Car Bobby Lapointe n'était pas connu à l'époque. Et c'est grâce à Joe Dassin qu'il a été pour la première fois et dernière fois numéro 1 au hit parade. Moi, quand je suis arrivé en France, j'avais quand même l'oreille, on va dire, différente parce que je venais du Pays-Bas. Et j'ai entendu une chanson de Joe. Et je pense, mais vous allez me dire si c'était son premier succès, qui était Bip Bip. C'était ça. C'était très différent de ce qui se passait. Donc, il avait vraiment une originalité. Mais j'ai senti toujours, et là, tu peux peut-être me répondre, aussi presque comme s'il était gêné d'être chanteur de variété. Tu vois, c'est-à-dire comme s'il voulait être plutôt chanteur de jazz ou, tu vois, comme si j'étais... Ou ethnologue. Parce qu'il y avait, il y avait un côté péjoratif à l'époque. On ne dit plus, mais variette, variétoche, c'est un peu fini tout ça. Il le disait lui-même dans des interviews. Ce qui le touchait beaucoup, c'est qu'on lui dise, avec la culture que vous avez, pourquoi faire des chansons aussi simples. Mais lui, il disait que c'était très difficile, justement, de faire une belle chanson. Et c'est toujours l'actualité. Faire une chanson simple. Tu en as souffert, toi, de ce côté chanteur de variété? Non, j'ai pas souffert. J'ai toujours... là où j'ai trouvé ça injuste, c'est que les gens, certaines personnes, même dans le métier, croyaient que je faisais de la chanson variété pour le côté populaire. Donc ça veut dire qui dit populaire dit commercial, c'est-à-dire argent. Dit que moi j'ai toujours aimé la chanson populaire aussi. Mais j'ai toujours aimé la chanson populaire. Donc c'est quand même plus agréable de gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime. Quelque chose qu'on aime. Faire des émissions de télé qu'on n'a pas envie de regarder, c'est embêtant. C'est là que je le regarderai. Exceptionnellement. Ah bah ça c'est gentil d'elle. J'ai des bonnes invités. Christophe, il était une fois Joe Dassin. Se jouera donc à l'automne prochain, à partir du 1er octobre, jusqu'au 12 novembre 2010 sur la scène du Grand Rex. Ça sera suivi d'une grande tournée dans toute la France et les réservations sont déjà ouvertes. Alors je ne sais pas s'il y aura cette chanson et si tu n'existais pas, sûrement, s'il y a 40 tubes. Incontournable. Mais c'est une chanson aussi qui plaît beaucoup à Jean. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. T'es pas sans Jean Manson,
qui chante d'ailleurs le gospel actuellement en tournée. Hein. Je chante dans beaucoup des églises dans toute la France. C'est comme si j'avais trouvé ma voix. Mm-hmm. Et la voix, c'est de donner le plus possible dans les paroles, dans la musique, la belle musique, aux autres pour qu'ils puissent encore y croire, encore avoir de l'espoir. Et c'est ma but dans la vie maintenant. Eh bien, c'est le miracle de l'année. Et la chorale leur a chanté. Alléluia, 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 alléluia. Gene Manson, donc, en tournée. Et puis, un site internet où on peut retrouver les chansons de Gene Manson. Oui, je crois qu'aujourd'hui, les comédiens, les chanteurs ont tout intérêt d'y aller, faire des sites internet pour se faire connaître. Notre créativité va passer sur la scène, sur internet, pourquoi pas. Absolument. Et ici, Gene chez Manson vous, à la télévision. TV, alors. Gene Manson TV pour retrouver yeah, Gene Manson. Yeah, Gene Manson TV, my poor next show. Voilà, les chansons de Dassin sont indémodables. D'ailleurs, très régulièrement dans des albums, on trouve des reprises de chansons de Joe Dassin. Pour nous parler des albums qui sortent avec des reprises, voici Alexandra Paldé. Bonjour Alexandra, très rock aujourd'hui, hein, bien à la guitare. Donc Joe Dassin est encore partout, dans voilà, tous les albums. Joe Dassin est à l'honneur et j'ai choisi de vous parler des artistes actuels qui reprennent des classiques de ce grand chanteur. Alors tout d'abord, Rock Voisine, qui dans son dernier album Americana a repris le célèbre « Salut les amoureux », mais version anglaise, on en regarde un extrait. Good morning America, how are you? Don't you know me? I'm your native son. I am the train, the call, the city of New Orleans. And I'll be gone 500 miles when the day is done. C'est sympa avec des sonorités country. Et puis, d'autres albums avec du Dassin? Oui, alors Les Forbans, souvenez-vous, qui s'était fait connaître avec chante, chante, chante et mets tes baskets, jouette, c'est pas née, sympa. T'es née? Alors oui, je venais justement de naître. Ouais. Ah oui, un grand moment pour la France. Les Forbans, le retour alors. Oui, qui reviennent avec un nouvel album de reprise, c'est toujours rock'n'roll, et une chanson de Dassin, Sifflée sur la colline. Ah, ça va être pas mal aussi. Voilà, alors et vous puis, pouvez regarder, Garou aussi a reprendu Dassin dans son nouvel album. Oui, oui, alors j'ai été le voir en studio et il nous Quelle a chance. Offert spécialement pour Shabada, en exclusivité, des images d'un très joli piano-voix d'aux Champs-Élysées. Balader sous l'avenue, cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui me suffit toi, je t'y dis n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, oh, oh Champs-Élysées. Et Garou qui viendra très bientôt dans Shabada. J'espère qu'il nous regardera comme il te regardait dans ses images. Merci à tous les trois en tout cas. Je rappelle que Gene Manson et la Broadway's Gospel Group sont en tournée dans toute la France. Dave sera, et on a beaucoup de chance, le 6 avril à l'Olympia avec l'ensemble des tubes de sa carrière.
Christophe Baratier qui met en scène donc ce spectacle Il était une fois Joe Dassin sur la scène du Grand Rex, où on retrouvera Julien Dassin à Paris du 1er octobre au 12 novembre 2010 et puis dans toute la France. Les réservations sont déjà ouvertes. Vous retrouverez toutes les infos de Shabada sur le site france3.fr. Et on va se quitter en musique puisqu'on a commencé en musique, mais cette fois-ci peut-être avec une chanson de Dave, puisqu'on ne peut pas vous laisser partir, Dave, sans Du côté de chez Swan par exemple. Je ne sais pas si j'ai envie de chanter parce que vous n'avez pas donné la date de je l'ai donné. Elle l'a dit. 6 avril à l'Olympia. Mais on peut l'appeler 6 avril à l'Olympia, Dave. Voilà. J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swan. Revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous. Attention. Sous le chenal. Et il se laissait embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers. Et pourtant je paierais cher pour vivre un seul instant. C'est Eric, le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. Des étoiles, Jacques plongeait dans un bistrot, des dégoûtés les vins. Moi j'étais fort au hall, et Gigi lavait les carreaux, Pierrot ne faisait rien. On s'était fait les poches pour se payer un vieux taco, fluré sur le capot. Qui rêvait de Provence et qui mourait à Fontaine. Qui mourut, pardon. Voilà, mourut. On amenait cette cigarette, c'est tous allumés. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans les copains Jojo. Il y avait moins de fils en guitare que des choses en bas. On partageait tout et on avait bien. Qu'est-ce qu'on était fous. Qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Merci à tous, merci beaucoup à vous tous.